Mais ils sont nombreux les parents là, les gens qui sont venus. Hein, deux, trois apparemment. Ah ouais, parce que moi j'en connaissais une qui m'a dit qu'elle venait. Allez, Garcia! Maintenant vous affiancez une mineure, je vous Et le passe-passe, c'est comme tout le monde. Ouais, c'est pas le souci. Les gars, il faut à un moment, vous n'avez pas le droit de prendre des mineurs en otage. Soit vous le comprenez, soit vous ne le comprenez pas. Chers collègues, chers parents, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour fêter les funérailles du bac national. La lutte continue demain et vendredi, puisque ces épreuves sont sur 3 jours. Elle fait bien frapper dedans.
J'ai mis, hein. Je dis pas que ça me fait plaisir. C'est parfaitement inhumain de faire lever ces gamins si tôt. On commencerait plus tard, ça serait aussi bien. Ça serait même mieux. Il serait beaucoup plus facile. Non, mais c'est pas con du tout. En fait, c'est pour les formater. L'école, c'est fait pour ça. C'est fait pour les habituer à subir les ordres. Je sais, j'ai travaillé. Pour leur vie. Mais quand leur vie, c'est un truc que je comprenais pas du tout. Pour être des bons esclaves. C'est fait pour ça. Pas seulement. Mais c'est pour les formater. Parce que après, ça va être un travailleur. Donc il faut. Il faut qu'ils soient habitués. Ah ben non, mais tout est aberrant dans cette société. Tout est aberrant dans cette société. Tout est inégalitaire, tout est de travers, de toute façon. C'est pour ça qu'on est dehors. C'est pour ça qu'on est dehors cette heure-ci d'ailleurs. Hein. Bonjour, est-ce que ça fonctionne? Oui, alors voilà, bonjour à tous. Merci déjà pour ce merveilleux blocus qui s'est super bien passé. Bravo à tous, c'est pas encore fini, mais pour le moment c'était très bien. Voilà, juste pour vous prévenir qu'il y a un de nos camarades du lycée Thiers qui a passé la nuit en garde à vue. Donc voilà, après le blocus, on aimerait qu'il y ait un maximum de gens qui viennent se rendre aux alentours de 10h, donc voilà, on ira devant le commissariat pour le soutenir et pour aider à le libérer. Merci. C'est ce matin que j'ai su. C'est vrai que les jeunes ils prennent leur truc à la main. Les élèves, les journalistes. Oui, ils sont contents de trouver cela. Mais ils sont de la bonne école, parce qu'il y a deux écoles à Marseille. Ah, d'accord, ok. C'est payant, c'est mieux que la France. Et on a une qui est sur concours, et nous, on vient pas comme celle de Lille ou comme celle de. Il y a une école reconnue, il y en a une. En tout cas, mais Euroméditerranée, ils font leur beurre là-dessus. Hein. On passe par le sentier et hop, on rentre dans la MDPA. Ah, pardon. Les gens qui luttent tout seuls. Ah, très bien.
J'en fais partie, moi. Bon, nous nous saluons au guise, on va reprendre. Bonjour Rosie. Bonjour Rosie, comment ça va? Il y a les deux côtés? Non, les... Ah, il y a quelqu'un. Ah, okay. Alors, nous sommes en manifestation et on remarque que humanité commence par un H comme handicapé. Bonjour, ça va?
toute façon, on va niquer la bac. Non, il y avait un rendez-vous sans doute. Un rendez-vous là-bas devant le machin, je présume, le carrousel. Oui, je sais, mais les flics... Ils sont lourds à la détente, hein. Ah, sérieux, t'as dit? Je comprends pas ce qu'on fait, là. On fait quoi, exactement? Ben, bonne question. Il faut demander quelque chose d'autre. Je crois. Attention, décalez-vous. Adam, stop. La carte d'identité, il dit qu'il fasse quoi? Je veux filmer, t'es toujours devant moi. Ah ouais. Bon, bah, désolé d'être partout. Dans le sens où il n'y a rien. Il n'y a rien ici pour les jeunes. Ils sont très mal orientés, ils vivent voire même pire que nous, je pense. C'est qu'ils n'avaient rien. Et c'est pas un choix d'aller braquer. C'est, pour eux, c'est même limite un devoir. Parce qu'on voit dans quelle situation ils vivent tous ces jeunes. Et malheureusement, hier, le drame s'est produit vers les alentours de 20h, où on a deux versions. La version de la police et la version des vraies personnes qui sont présentes, donc les habitants et les premiers témoins directs. Donc la version de la police, c'est on les a poursuivis, ils étaient tous armés, ils sont sortis, ils ont tiré directement sur eux, enfin ils ont pointé l'arme sur nous, donc on a riposté. Ça c'est l'une des premières versions de la police, qui a été approuvée hier soir par le procureur, carrément. Il faut savoir aussi que les médias hier, ils ont été interdits pour la plupart de se rapprocher, voire même de venir dans le 14e. Ça a été des ordonnées pour pas qu'ils viennent. Dans tout règlement de compte, en moins de 30 minutes, on a les médias. Et dans l'heure, on a plusieurs articles pour salir la personne. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette version-là qu'on conteste. Nous, on est les habitants de Maison-Blanche, certes, mais avant toute chose, on vient tous des quartiers populaires et on connaît tous cette misère-là. On sait que la police... Il y a toujours un souci avec eux, donc on s'est orienté vers les voisins. Les voisins hier nous ont bien dit, et différents voisins, des mères de famille, des pères de famille, des enfants, des jeunes qui traînent dehors, qu'ils n'avaient rien à faire, qu'ils ont tout vu,
ont répété que non, il est sorti, il n'a pas pointé l'arme sur eux, ils l'ont tiré dessus directement, ils se sont acharnés sur lui, ils lui ont mis des menottes, ils l'ont mis au sol, ils l'ont roué de coups, ils lui criaient « ben on t'a eu », comme si Mehdi était un bandit. Tout le quartier le sait que non. Mais comme si c'était l'un des chefs de réseau les plus cramés de tout Marseille. Et une fois que tous les habitants des Marronniers ont vu Mehdi lâcher son dernier soupir, une fois qu'ils ont vu qu'il ne bougeait plus, ils leur ont crié dessus. Les gars, vous faites quoi? C'est un minot que vous avez tué. Vous avez vu la photo que j'ai diffusée tout à l'heure sur Facebook? Un ange, pas une rite, pas un cheveu blanc. Il n'avait même pas encore fini d'apprendre son alphabet, les gars. C'est ça qui est triste. C'est qu'au bout d'un moment, c'est un minot qui n'est pas parti plus loin qu'au canet en bas. Il restait là en scooter, hein. Il faisait rien d'autre. Ni pardon, ni oubli. Là, il n'y a ni oubli, ni pardon sur ni pardon, ni oubli, les copains. Hein. Parce que hein, tous les témoins le confirment. Une fois qu'ils ont vu ça, alors oui, il y a une foule d'émeutes. Sur ça, il n'y a pas de souci. Ils sont descendus pour les défendre. Ils sont descendus pour appeler les secours eux-mêmes. C'est pas la police qui a appelé, c'est les habitants qui ont appelé les secours. Ils ont cherché à porter secours à Mehdi. Qu'est-ce qu'ils ont fait la police? Eh bien, ils ont gazé tout le monde. Et de là, il y a eu un cafouillage, un bordel, comme pas possible. Et ils trouvent rien de mieux que d'embarquer le meilleur ami à Mehdi qui était sur place. Et bien sûr, il a été violent, son meilleur ami. Ben, on va penser quoi de la police aujourd'hui? Déjà que depuis 2005, on souffre dans les quartiers. Donc aujourd'hui, on va en penser quoi? Ben aujourd'hui, Mehdi, ben, ça a été l'une des premières victimes sur Marseille venant par la police. Parce qu'ils ont réglé la deuxième victime. Nous, ce quartier, on n'oublie pas le petit Nelson. Ça s'est fait le 24 juin 2007, il me semble, ou 2006. 2007. Il y a son père, je ne t'ai pas vu. Il y a son père là parmi nous. Que la police, ils avaient les gyrophares, pas la sirène. Il a appuyé sur un bouton, sur un feu rouge. Le feu, il est passé au rouge. Nelson n'était pas plus grand que ça, avec son vélo. Il traversait sur un passage clouté, sur un passage piéton. Ils l'ont fauché, ils l'ont envoyé à plus de 20 mètres. Ils lui ont pas posé la question à Rémi. Ils l'ont tué à l'hôpital, et ensuite ils lui ont dit non, mais il est mort cérébralement. Ils l'ont tué. Et là, on a des voisins, des témoins qui disent non, ils ont tiré sur lui, ils sont acharnés sur lui. Et ils lui disaient, on t'a eu. Et il le frappait au sol. C'est pire qu'une injustice, là. C'est pire. Ils avaient le sourire. La mère de famille qui s'est pris en pleine figure. Eh ben, il n'avait pas qu'à voler. Un braqueur, on doit le tuer? Non. Les violeurs, aujourd'hui, les violeurs, ils prennent un an de prison, ils ne les tuent pas. Aujourd'hui, on fait face à des enfants d'un quartier. C'est pour ça qu'on réclame justice. On n'accable pas, même si on sait très bien qu'on est tous du côté des témoins et on ne sera jamais du côté de la police, c'est sûr et certain. Que la lumière soit faite, parce que tout à l'heure on était encore avec la famille, et croyez-moi que c'est très 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 difficile. Et je pense même que c'est l'une des familles que j'ai vu le plus souffrir de toute ma vie. Croyez-moi, moi et tous les jeunes qu'il y a là, on en revient d'en haut. Donc oui, on va faire cette marche. Pour l'instant, la date, elle est prévue pour samedi, mais dans tous les cas, on se tient au courant. Personne ne doit oublier Mehdi, personne ne doit oublier Nelson, personne ne doit oublier toutes les victimes que ces policiers ont fait. Personne. Que ce soit pour Adama, Steve, pour tout le monde, en fait. On ne doit pas oublier ça. Et surtout pour Zineb Redouane, surtout pour elle. Jusqu'à présent, il y a des histoires de dépaysement d'enquête, etc. Ça, je ne vous l'apprends pas. Un dépaysement d'enquête est égal à une enquête qu'on renvoie à zéro. Qui dit à zéro dit eh bien, on relance les procédures. Libéré, Ramadan, 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 libéré, Ram
ils vont tout le monde pas. Pas de justice. Donc, logiquement, pas de justice. Pas de justice. T'es pas bien là. T'es pas bien là. Il va se tailler. Les chefs, ils commencent à nous emmerder. Hein. Allez, rentrez, rentrez. On a faim. On a faim. Et là, tu fais ça pendant 2 heures. Tu reprends le crâne, tu vas jusqu'à l'évêché. Et ils reviennent. Allez, hop. Ils sont où les baquets? Je ne les vois pas. Voilà. Et là,